Allez, on y va. C'était un petit peu sportif aujourd'hui. C'était pas simple, mais la vie n'est pas toujours simple. Alors, bonjour à tous. Comme d'habitude, je vais dire bonjour aux gens qui sont là. Bonjour Stardust. Andrea est avec nous. Yossi est ici. Shahi est là aussi. Luciana est avec nous. Je regarde parce que vous discutez. Andrea est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Grace est là. Bonjour Grace. Ensuite, Daniela est avec nous. Cosmina est là aussi. Victoria est là. Alors les deux Victoria, Victoria Possé et Victoria Jacques, qui dit juste bonjour. Victoria Jacques, normalement il dit bonjour, comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est juste bonjour. Sonic est là, Denora est avec nous. Shahi, j'ai dû dire. Yulia qui nous dit qu'elle est en retard. Du vin avec du sushi. Ah, le sushi, aïe, 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 j'adore ça. Grace est là, je l'ai dit peut-être. Écoutez, Fizzle est là, Yann Arte est là, Michael est avec nous, Sundar est là aussi, vous êtes nombreux, Emma est là, Arch est là, Yulia est là, Manila est là, waouh, il y a du monde, hein. Très bien, en tout cas bonjour, bonjour, Roman est là aussi, allez on va commencer si vous voulez bien, n'oubliez pas que dans 11 jours, donc c'est pas samedi, qui arrive, mais c'est le samedi de la semaine prochaine, ce sera eh bien l'anniversaire de la chaîne, donc je ne sais pas, je pense qu'on va faire des choses un petit peu différentes, j'espère que tout va bien, j'entends des bruits, allez, on y va. Alors, vous le savez, on n'oublie pas de cliquer, s'il vous plaît. Vous êtes 52. Si c'est possible de cliquer directement, idéalement, nous savons que notre objectif, c'est d'atteindre les 100 clics. Cherylin nous rejoint et Ashwati aussi. Allez, comme d'habitude, le mot du jour, s'il vous plaît, un mot pour décrire eh bien, votre journée. Nous sommes d'accord, je veux juste un mot, je ne veux pas de phrase, je veux juste un mot, un substantif, un adjectif, un verbe, que sais-je, un adverbe, si vous voulez, un mot pour décrire votre journée. Julien qui dit « Oh, quelle lumière !» Eh bien oui. J'ai trois lumières, je commence à m'amuser avec les différentes lumières. Le petit plaisir de la vie. Allez, Hen70 nous rejoint, bonjour. Cosmina qui est toujours près de Zinzolin. Alors, Claudia qui ne donne pas de mots, qui fait juste comme ça. Denora qui nous dit « tolérance ». Et je dis bravo. La tolérance est une qualité. Malheureusement, on n'est pas tous équipés de façon égale. Emma qui nous dit « malade ». Vouslat qui nous dit « froid ». Ashwati qui nous dit « fatigué ». Hen70 qui nous dit « lent ». On peut pas toujours être rapide, en fait. Hein. Cherylin qui dit bonjour à Luciana. Victoria Jacques qui nous dit « prête ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça y est, Victoria Jacques, c'est une nouvelle vie. Elle n'est plus fatiguée, elle est prête à tout faire. Peut-être à se faire vacciner aussi. Tout le monde veut se faire vacciner, peut-être. Je ne sais pas. Mansour, magnifique. Yulia qui nous dit souffrante. Ah bah oui, mais vin et sushi, c'est pas une bonne combinaison quand on est malade. Hein. Laura qui nous dit recherche. Bickert qui nous dit occupé. Bonjour Bickert, ça fait longtemps. Hein. Luciana qui nous dit bruit, mes voisins. Ah ça c'est le problème. Hein. Quand les voisins font du bruit... C'est jamais très très chouette. Daniela qui nous dit « Ma journée va bien ». Très bien. Daniela, c'était un mot. Stardust, mélancolie. Alors ça, c'est intéressant, le concept de la mélancolie. C'est parfois une bonne chose, mais faut pas rester très longtemps dedans. Daniela qui nous dit « apprendre » ou « apprendre ». Mercurialman qui nous dit « catastrophe ». Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe? Mercurial Man est normalement quelqu'un de très raisonné, un petit peu... qui a de l'humour. Mais qu'est-ce qui se passe, Mercurial Man? Grace qui nous dit actuellement. Andrea qui nous dit génial. Ah ben là, je dis bravo. Grace qui dit calme. Shahi qui dit ça va bien. D'accord. Roman qui dit chirurgie à un patient. Ça fait peur. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Fizzle qui nous dit tôt. Yossi qui dit fraîcheur. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est une période qui est fraîche actuellement pour vous, Yossi? Yann Arte qui dit parfaite ou parfaire, peut-être. Maria qui dit espoir. Espoir. Et Julia qui dit souffrance et malade. Oui. Ça peut être malade. Si vous voulez vraiment dire que vous êtes malade, utiliser malade, c'est plus simple. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas. Alors pardon, excusez-moi, Victoria Posset avait rajouté « tranquille » et ça c'est pas mal. Hein. Une journée tranquille, c'est une journée agréable et sympathique. Si vous avez l'occasion de visiter le Mont Saint-Michel, allez-y, c'est magnifique. Alors, pour la photo du jour, j'ai trouvé une photo très sympathique, mais par contre, s'il y a des personnes parmi vous qui peuvent me dire ce qui est écrit sur le panneau, ce serait très gentil, ce serait formidable. Je me suis dit que la photo était vraiment, vraiment intéressante. Donc allez-y, s'il vous plaît, une phrase pour décrire ou pour commenter la photo, comme d'habitude. Si vous savez ce qui est écrit, ce serait très gentil de nous le dire. Alors, Ice Cubes nous rejoint. Bonsoir, bonjour. Regardons ce que vous écrivez. Charlie est en première position et nous dit « Il y a un garçon qui regarde, pas d'accent Charlie, hein, qui regarde dehors. » D'accord ? Gardez le verbe « regarder » au présent, troisième personne du singulier, « regarde », à la fin, pas d'accent. Sophia X qui nous dit « Une place qui vend des billets. » D'accord, très bien. Vend, pas de E, hein, juste le D. Manila qui dit « Il y a un garçon par la fenêtre. » Plutôt « à la fenêtre hein. ». La préposition ici, ce serait plutôt « à la fenêtre, Manila ». Mercurial qui nous dit « à l'intérieur, à l'extérieur. » Ah, c'est intéressant. Ah là, je suis obligé de réfléchir. Je me dis « tiens, oui. » Une virgule peut-être. Luciana, il y a beaucoup de vitraux à nettoyer. Oui. Luciana, je discutais avec ma maman aujourd'hui et je disais, il faut que je lave les vitres, les fenêtres. Et mon Dieu, ici, il y en a beaucoup, beaucoup. Hen70 qui dit « Il est seul car il n'a pas d'amis ». Oh, est-ce que vous êtes sûr? Ensuite, Stardust, une photo qui montre une fille qui regarde curieusement le monde et pense à ce qu'il y a à découvrir. D'accord. Julia qui nous dit « Le monde peut être vu ». Alors attendez, le monde peut être voir, peut être vu par le petit garçon, par la fenêtre? Mais moi, je vois un reflet d'un homme en short qui fait la photo.
Ah, vous regardez le photographe, voilà. Yossi, une jeune fille qui regarde par la fenêtre de l'école. Peut-être une autre chose, elle a l'air triste. Vous trouvez qu'elle a l'air triste? Alors faites attention, Yossi, avoir l'air. Hein, donc le verbe c'est avoir, ça veut dire qu'elle a, pas d'accent, hein, c'est pas la préposition, c'est le verbe avoir, elle a l'air triste. Andrea qui nous dit un gars curieux, d'accord. Denora qui nous dit un grand monde et une petite fenêtre. Ça, c'est pas mal, ouais. Roman qui dit le style de la photo semble vieux. Ah, ça, c'est intéressant. Mansour qui dit il y a un garçon qui a vu un truc par la fenêtre. Ouais. Faites attention, Mansour. Truc, c'est masculin. D'accord. Donc, votre article, ce sera un truc. Laura qui nous dit bonjour tout le monde par la fenêtre. Ah, d'accord. Alors, Ice Cubes qui nous dit il y a un petit chinois qui nous regarde. Il faut faire coucou, coucou. Victoria Jacques, une personne regardant par la fenêtre pour vérifier la météo. Eh oui, possible. Faut mettre la main. Vous savez, vous mettez la main pour regarder s'il pleut. Ensuite, je regarde Bickert. Je vois un garçon qui regarde par la fenêtre à l'extérieur. Il semble être triste. Vous trouvez? C'est intéressant, ça. Yann Arte, parce que ou à cause du Covid, il n'y a personne pour acheter les billets, peut-être. Victoria Possé, je vois une jeune fille qui pense comment mettre le verre dans la fenêtre. Ah, vous pensez qu'elle veut réparer? Oui, c'est possible. Moi, c'est le premier réflexe. Mais apparemment, c'est une billetterie. Il semblerait que c'est une billetterie. On peut acheter des billets, peut-être. Fizzle, une fille qui veut partir de l'école. Vous, cela, il y a une jeune fille à la caisse qui regarde dehors car il n'y a personne à cause de la pandémie et du confinement. Ashwati qui nous dit un garçon qui regarde quelqu'un qui est très beau. Ah, la personne en short avec l'appareil photo, peut-être. Cherylyn qui nous dit c'est un restaurant chinois où les Chinois d'origine australienne fréquentent et sont parlés. Ah, et parlent en chinois sous l'assomption erronée qu'ils comprennent le chinois. Donc ils arrivent, ils parlent chinois et les autres ne comprennent pas. Un dialogue de sourds, comme on dit. Grace qui nous dit, elle regarde par la fenêtre. Strange 73, où sont les flotteurs? C'est Mardi Gras. Rien compris. Alors là, Strange 73, j'ai rien compris. Je comprends la phrase, je ne comprends pas le concept. Il faut développer. Michael, je vois une personne qui attend pour... Oui, quelqu'un, ou qui attend quelqu'un dans ce cas-là. Chris Mo, un garçon célèbre qui a accordé quelqu'un une photo, ou un garçon pour le service secret. Yann Arte, il n'y a personne pour acheter les billets pour retrouver parce qu'il y a le Covid. Très bien, merci beaucoup. Alors, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de cliquer. L'objectif, c'est 100 likes. 100, je crois que c'est possible. C'est possible. Alors, la question du jour. Et la question du jour, eh bien, la voici. Comment reconnaît-on une personne égoïste? Comment est-il possible de reconnaître une personne égoïste? À vous la parole, une petite phrase pour me répondre, s'il vous plaît. Alors, Dessarlika nous rejoint. Bonjour Dessarlika, participez, c'est la question. Prenez le temps de répondre.
Alors, et ça commence avec Hen70 qui nous dit « Une personne égoïste parle toujours d'elle-même ». Ça, c'est une méthode pour reconnaître une personne égoïste. Alors, Mimi7914 qui nous dit « Il regarde le miroir tout le temps ». D'accord, comme dans Blanche-Neige, miroir, mon beau miroir. Daniela, toujours pense à lui et pas aux autres. Julia, tout d'abord, il faut regarder le miroir, nous sommes tous un peu égoïstes. Oh, alors là, Julia qui est la grande philosophe de la journée, et oui, elle est un petit peu malade, mais elle reste très très philosophe. Michael qui dit « Ils achètent pour eux seulement ». Luciana, c'est une personne qui pense seulement à elle-même, ne demande pas aux autres quelque chose, d'accord ? Victoria Posse, il est difficile de les reconnaître, mais ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Grace qui nous dit « Une personne égoïste n'est jamais contente ». Manila qui nous dit « Ils aiment parler d'eux-mêmes ». Ice Cubes qui dit « Ils disent toujours « moi ». Très bien, Yossi. Une personne égoïste pense à elle en premier lieu et ignore les besoins des autres. Vouslat, une personne égoïste ne pense qu'à soi ou qu'à elle, puisque c'est une personne. Shahi, une personne qui est égoïste, n'écoute pas les autres. Cheryline, une personne égoïste disparaît de votre côté dès que vous n'aurez plus rien à lui offrir. Ah, très bien. Mercurial Man, vois ce qui est écrit sur le front des personnes. Qu'est-ce qui se passe, Mercurial Man, aujourd'hui? Donc, vois ce qui est écrit sur le front des... Je ne comprends pas, Mercurial Man, il faut m'expliquer. Ishan qui nous dit, il parle de lui tout le temps. Desarlika qui nous dit, il pense toujours que c'est lui le meilleur. Mujahid qui nous rejoint, bonjour. Je ne supporte pas les gens égoïstes, mais ils ont toujours une très faible estime d'eux-mêmes, peut-être, on va mettre au pluriel. Stardust, une personne égoïste vient toujours en premier. Elle ne se soucie que de son propre gain. Et cette personne ne se soucie pas beaucoup de ce qu'elle fait de son comportement. Une personne égoïste, continue Stardust, ne reconnaît pas ses erreurs. Yann Arte qui nous dit, une personne égoïste pense juste à elle, donc à moi, comme vous diriez, entre guillemets. Cosmina qui nous dit, il est difficile de reconnaître une personne égoïste. Pour le faire, ça fait un petit peu Sherlock Holmes, il est nécessaire un contexte particulier. Quand tu as besoin d'aide et la personne dit, je ne peux pas, mais si il ou elle veut, ah, que tu as vraiment des ennuis, d'accord. Andrea qui dit une personne qui croit que c'est un roi. Alors ensuite, what we think, il est là en train de penser à quoi manger ce soir. D'accord. Je savais que la machine allait faire quelque chose de bizarre. Mais bon, apparemment, ça reprend. C'est comme ça, il y a trop de prises électriques. C'est toujours compliqué. Allez, merci beaucoup. On continue. Merci. We'll be right back.
on va voir ce qui se passe. C'est possible que ça bloque, apparemment. J'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes. Je n'ai rien touché. Peut-être qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas. Voyons voir ensemble. Allez, on continue. Dites-moi si le son est bon. Si le son n'est pas bon, eh bien, ce sera un petit peu dommage. Alors, espérons que ça marche maintenant. J'espère, mais c'est toujours très compliqué. Je ne touche pas les machines, je laisse les machines et je rappuie. Et un jour ça marche et un jour ça ne marche plus. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Alors, souvenez-vous à vos téléphones. À vos téléphones, c'est la possibilité de m'envoyer. Alors, oh non, pitié, dites-moi que le son est bon. Je ne peux pas, je ne pourrais rien changer. Si le son n'est pas bon, dans ce cas-là, nous arrêterons le cours et nous continuerons demain. Alors, en tout cas, dites-moi, je vous regarde, je regarde ce que vous m'envoyez. Le micro, je pense que le micro est bon. Oups là, maintenant il est un petit peu bizarre. Allez, à vos téléphones, regardez, quand je parle, c'est pas bien. Peut-être que je ne devrais pas parler, tout simplement. Si vous voulez partager un moment important ou alors une belle photo, une photo sympathique, eh bien, vous le savez, c'est possible d'envoyer ça à l'adresse vosphotos@fluentoplus.com. Et il y avait Hillary. Hillary nous avait envoyé une photo très, très sympathique. Et Hillary nous dit « Bonjour, c'est mon petit jardin ». Dans la cuisine. J'ai planté, attendez, aujourd'hui c'est incroyable, ça fait partie de ces jours, rien ne marche. Oh, je vous propose de nous quitter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement un signe que nous devons écouter. Aujourd'hui, il y a un problème avec l'écran, il y a un problème avec l'audio. Je crois que je vais tout simplement aller réparer les choses. Je vous dis merci, je suis désolé, je vais essayer de tout réparer. Et puis, on va voir. Pour l'instant, ça ne marche pas et j'ai vraiment pas envie de me stresser. Je vais regarder une seconde. Thank you.
Serons-nous plus forts que la machine? Je ne sais pas. Et je n'ai pas envie de me stresser. J'espère que le son est bon. J'espère que ça passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je dois dire que maintenant, je ne me stresse plus. Allez, j'espère que ça va aller. En tout cas, je suis là. J'espère que vous êtes encore là. On y va! Yeah! Alors, donc, ouais, on continue là où on en était. Et on en était en fait à la rubrique à vos téléphones, puisque vous m'avez envoyé quelques petites choses et c'était sympathique. Donc là, je vais en mettre juste deux. Il y en a d'autres, notamment ce que Cosmin avait envoyé. Et puis, j'en avais reçu plusieurs. Donc je vais attendre un petit peu. Là, on n'en a que deux. D'accord ? Mais donc, l'idée, bien sûr, c'est d'envoyer quelque chose ou de faire un petit jeu avec. Daniela, bonjour. Stella, bonjour. Yossi, ben, j'espère que ça marche. J'espère. Faut être optimiste. Hillary, qui est là, elle nous rejoint, Hillary. Et Hillary, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, regardez, Hillary nous a envoyé une photo très, très, très sympa. Et elle dit « Bonjour, c'est mon petit jardin dans la cuisine. J'ai planté les graines obtenues à partir de fruits et de fleurs. » Et donc, Hillary qui lance une petite activité. « Pouvez-vous deviner quelles sont les plantes ou les fruits, bien sûr. Allez, essayez de proposer à partir de cette photo les fruits ou les plantes que Hillary a plantées dans sa cuisine. Et j'espère que ça va marcher. Croisez les doigts. On espère que ça marche parce que là, on a envie de travailler. Alors, je regarde. Yulia qui nous dit « Je vois du basilic » et un... Est-ce que c'est citron ? Chrismo qui nous dit « Basilic » aussi. Alors, Cheryline pense que le troisième, c'est du basilic. D'accord. Alors, continuons à explorer. Est-ce qu'il y a des personnes qui... Ah, Denora, basilic aussi. Hein. C'est très, très populaire, le basilic, j'ai l'impression. Alors, Viniti qui nous dit « Yo, yo, yo ». Proposer quelque chose plutôt que yo-yo-yo. Daniela qui nous dit « Je ne sais pas, moi c'est pareil, je suis totalement nul. » Yossi, pareil, je n'ai aucune idée. Cosminia qui dit « Je peux reconnaître des feuilles de basilic. » Ouais, moi aussi, c'est vrai que... Hans70 qui dit « Tomate ». Peut-être, je ne sais pas. Hillary qui est un petit peu silencieuse. Hein. Hillary, elle laisse les gens chercher. Alors, c'est intéressant. Regardons ensemble. Alors, Hillary nous dit qu'il y a dans sa cuisine, incroyable, dans la cuisine d'Hillary, il y a un avocat. Alors, attendez. Ouh, ben regardez pourquoi c'était comme ça. Voilà. Donc, c'est un avocat. Il y a un citron. Yossi, je suis nul. Oui, moi, c'est pareil, Yossi. Nul, mais très, très nul. Alors, un avocat, c'est le premier, je pense. Hein. Un citron, un pamplemousse. Incroyable, un pamplemousse. C'est lequel, le pamplemousse, Hillary? On ne sait pas trop, hein, on est perdu. Des oignons verts, et ça, c'est pas mal. Et... Donc du basilic, on avait reconnu le basilic. Mais alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir où c'est. Victoria qui dit « Je ne peux pas deviner, mais c'est un beau jardin d'intérieur ». C'est vrai que c'est très sympathique et ça donne de la couleur et c'est vraiment très très joli. Merci beaucoup Hillary qui avait envoyé cette magnifique photo. Donc souvenez-vous que... Je ne sais pas ce que ça marche. Ah, j'ai des doutes, hein, Souvenez-vous que si vous voulez aussi envoyer une photo, on fait une petite activité à partir, vous écrivez un petit texte, ça serait très très sympathique. Merci encore, Hillary. Thank you.
si on arrive aux 100 likes avec un cours aussi catastrophique au niveau technique, ce serait très intéressant. Allez, on y va. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. Souvenez-vous, c'est l'idée de découvrir le français familier ou très familier. Souvenez-vous que c'est très important de savoir avec qui utiliser ces mots et dans quel contexte. Faites bien, bien attention. C'est important de connaître le français familier, mais l'utilisation est très, très, très délicate. Allez, on va commencer avec la première chose. La première chose, c'est une intox. Alors ça, c'est pas vraiment très très original. Je pense que vous connaissez probablement la signification d'une intox. C'est une fausse information ou ça peut être un mensonge. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui n'est pas vrai, on pourrait considérer que c'est une intox. Regardons ensemble l'exercice. Patricia, arrête pas de nous balancer des intox, c'est vraiment une mytho. Patricia n'arrête pas de nous mentir, de nous dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est vraiment quelqu'un qui a des problèmes. Voilà, allez, s'il vous plaît, une phrase avec une intox. Alors, je regarde, Yossi est en première position. Attention, Yossi, ne crois pas, pas de préposition avec de, hein. Ne crois pas, croire quelque chose, hein. Il n'y a pas de préposition, ne crois pas, tout cela, c'est probablement de l'intox. Luciana qui nous dit, il y a beaucoup d'intox sur le coronavirus, les vaccins, les médicaments pour le traitement précoce. Yessero, ces jours-là, ou ces jours-ci, il y a beaucoup d'informations, ouais, d'intox, tout simplement. Hein. Andrea qui nous dit, je déteste l'Italia, mais c'est une phrase et une intox. Ah, donc c'est pas vrai. Oh ben non, l'Italie, s'il vous plaît. On aime l'Italie, quand même. Oh, quand même, ils ont fait tellement de choses incroyables, les Italiens. Daniela, une intox, je ne comprends pas. Daniela, j'ai expliqué juste avant, c'était une fausse information ou un mensonge, c'est du français familier. Stardust, certaines relations sont intox. Ah, donc des mensonges, oui. Desarlica, ne le crois pas. Ah oui, faites attention, Desarlica. L'intox, c'est vraiment quelque chose, ça n'est pas une personne. Hen, pourquoi tu m'as dit une intox, ce n'est pas sympa. Nesda qui nous dit, tu ne me dis que des intox, sale mytho. Grand classique, hein. Grand classique, Nesda, effectivement. Faut mettre un point d'exclamation après. Yulia, beaucoup d'intox dans 10%, dans la série 10%. Ah oui. Denora qui nous dit « La colère est une intox dans notre société ». Vouslat qui nous dit « Je ne peux pas supporter les intox ». Cosmina qui nous dit « Dans la deuxième... » Ah pardon, dans la dernière année, l'humanité... Oui, au cours des dernières années. L'humanité devrait surmonter beaucoup d'intox sur les réseaux sociaux et dans les médias qui regardent l'effet nocif du vaccin anti-Covid. Bah oui, ouais. C'est vrai qu'on va en parler de ça. Est-ce que Ice Cube... Non, je crois qu'Ice Cube... Ice Cube a décidé de partir. Quand elle a vu qu'il y avait des problèmes techniques, elle a dit non, 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 c'est fini.
Très bien. Chris Mo, est-ce que la cancel culture est une intox sur l'Internet? Ah ben, si vous voulez. Omar, sur Internet, les intox sont une stratégie très utilisée. Oui. Yann Arthé, il y a beaucoup de médias qui font de l'intox. Michael, vous pouvez mourir si vous mangez une intox. On ne peut pas mourir quand on... Ah, ce serait intéressant en même temps. Alors, Nesda qui nous dit je suis français, très bien. Et Clétino qui nous dit je suis brésilien en réponse à Nesda. Allez, on continue avec la deuxième chose. Ça, c'est du verlan. Les yeux, en fait, c'est le verlan de vieux. Hein, vous savez, on a fait quelque chose sur le verlan. Et ben, c'est tout simplement pour parler des parents. Alors, on peut l'utiliser pour parler de personnes âgées, mais. Là, en l'occurrence, on va utiliser les yeux pour parler des parents. Regardez l'exemple. Elle est tellement coincée qu'elle n'arrive pas à parler à ses yeux. Tenez, je vais vous l'écrire. Je l'avais écrit. Il y a deux orthographes possibles. On va le mettre comme ça. Donc, elle est tellement coincée, elle a tellement de problèmes qu'elle n'arrive pas à communiquer, à discuter normalement avec ses parents. Donc ça, effectivement, c'est l'exemple. Et regardez, j'aimerais que vous m'écriviez, s'il vous plaît, une phrase avec les yeux. Allez-y. Alors, Gagandip qui nous rejoint, bonjour, bonjour, écrivez une petite phrase avec les yeux. Les yeux, c'est du français familier et ça veut dire les parents. Luciana qui nous dit, malheureusement, mes yeux sont décédés. Julia, les parents n'aiment pas être appelés les yeux. Eh ben oui, N70, il faut obéir à tes yeux. Alors, Desarlika qui nous dit, j'aime beaucoup, peut-être pas visiter, mais rendre visite. Souvenez-vous, hein, c'est rendre visite à mes yeux. J'aime beaucoup rendre visite à mes yeux. Très bien. Alors, quand je ne vois pas de réponse arriver, je commence à me dire, oh, il y a des problèmes. Mais non, apparemment, ça arrive. Victoria qui nous dit, mes yeux m'ont beaucoup aidé. Très bien. Andrea qui dit, mes yeux sont très sportifs. André, il faudrait mettre sportif avec un S, hein, au pluriel. Yesero, parfois les yeux sont bons et parfois ils sont mauvais. Nesda qui nous dit, j'ai des yeux. Très bien. Cosmina, à travers ma fenêtre, je peux voir deux yeux qui marchent avec difficulté, main dans la main, comme deux jouets cassés. Ah oui, mais Cosmina, vous auriez pu souligner la beauté du couple plus que souligner le côté jouet cassé. C'est comme vous voulez. Vous, Slat, j'aime beaucoup mes yeux. Ça, c'est bien. Hillary, la spécialiste des plantes, des fruits et des légumes. Les enfants ont mangé trop de biscuits quand les yeux n'étaient pas là. Ouais. Ça, c'est vrai. Mon fils, c'est plutôt les. Oui, c'est biscuits et bonbons. Hein. Vroom! Chrismo, il n'y a pas un livre pour les yeux dans la vie. Ah, d'accord, c'est intéressant comme phrase. Allez, le troisième. Ah non, ça continue. Mimi qui nous dit, mes yeux étaient très stricts. Yann qui nous dit, les enfants voulaient. Alors attention, Yann, hein, les enfants voulaient. A-I-E-N-T, le verbe. Parler avec les yeux. Très bien. Allez, le troisième. Non, Yossi continue. Les yeux de mon gendre sont très sympathiques. Ah, d'accord, effectivement, c'est intéressant.
Nesda, je ne trouve pas de phrase avec les yeux. C'est pas grave, Nesda. On continue. Troisième, Nesda. On y va. Allez, troisième. Taper l'incruste. Alors ça, c'est une expression. L'expression taper l'incruste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement occuper, être dans un endroit sans y être invité. Hein, vous êtes quelque part. Souvent, on pense à une fête, un événement. Vous avez invité des personnes, il y a quelqu'un qui est là et qui n'était pas invité, vous pouvez dire que cette personne tape l'incruste. Alors, encore une fois, un petit exemple, il y a des gens qui ont le chic pour taper l'incruste. Tout simplement dire, pour dire qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour s'inviter quelque part, hein, même si vous n'avez pas invité ces personnes. Taper l'incruste, verbe régulier, taper, que vous allez conjuguer, et ensuite vous mettez l'incruste. S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec cette expression, taper l'incruste. Alors, Nesda qui attaque plutôt avec la forme pronominale de l'expression « se taper l'incruste ». Alors oui, Nesda, mais attention, 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 on doit mettre quand même « taper », c'est le participe passé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'infinitif, on les prononce de la même façon, mais écrivez « e » accent aigu, hein, « je me suis tapé l'incruste dans une fête », et là, c'est magnifique, Nesda. Chrismo, c'est très difficile pour moi maintenant, je dois quitter. Au revoir, Chrismo, c'est pas grave. Yesero, ce mec, il a tapé l'incruste quand il est allé à la soirée de son ancienne petite amie. Ah, Yesero, on sent le drame qui va arriver quand même. Hein. Luciana, il tape toujours l'incruste, oui. Hen 70, je ne voudrais pas taper l'incruste, très bien. Yulia, difficile de taper l'incruste, je n'ai pas bien compris cette phrase. Vous n'êtes pas invité quelque part, vous vous invitez. Ça, c'est taper l'incruste. Denora, un égoïste, tape l'incruste. D'accord, on peut le dire aussi, effectivement. Alors, Omar qui nous dit, pendant un voyage à Paris, j'ai tapé l'incruste grâce à une erreur de géolocalisation dans un jardin en banlieue. Vous arrivez, non ? Vous arrivez avec une bouteille de vin. Bonjour ! Imaginez, vous arrivez chez des gens, ça c'est formidable. C'est formidable. On peut rencontrer des gens comme ça, hein. C'est incroyable. Ensuite, Mimi qui nous dit, il est très impoli de taper l'incruste, effectivement. Omar, ah donc il continue. Oui, Cosmina, il a ramené sa fraise pendant ma discussion avec le président de l'entreprise, il a tapé l'incruste. Emma, bip, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le lire. Il y a certaines limites que je ne franchirai pas. Dessar Likar, il veut toujours taper l'incruste. Vouslat qui nous dit, je n'aime pas taper l'incruste. Alors, Julia, mais comment c'est possible? Je peux taper l'incruste au Festival de Cannes? Oui, dans une réception. Si vous arrivez à rentrer dans une fête, dans un endroit où vous n'êtes pas invité, et vous arrivez à y aller, ça, c'est taper l'incruste. Allez, on va essayer d'arriver aux 100 likes, mais je pense que c'est pas possible aujourd'hui. C'était le bazar. Aujourd'hui, c'était le bazar du début à la fin, peut-être. Alors, à vous la parole. Je pense que c'est le meilleur endroit pour imaginer la suite.
Alors, Julia qui est très très rapide et très 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 réactive, hein, même si elle est souffrante. Je pense que c'est le meilleur endroit pour attraper froid, nous dit Julia. Ouais, bon, on peut nager, hein. Il y a des gens qui nagent dans l'eau comme ça. Alors, Grace qui nous dit, je pense que c'est le meilleur endroit pour nager. Est-ce que donc vous êtes prête? Vous êtes prête à aller nager? Je ne suis pas sûre. Hein, le dire, c'est une chose, le faire, c'est une autre chose. Denora qui nous dit, je pense que c'est le meilleur endroit pour les rêves du jour. Yossi qui nous dit, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire un voyage avec un bateau. Eh oui, effectivement, il y a un petit peu de neige, je sais. Ça apporte quelque chose de sympathique quand même. Hen70, je pense que c'est le meilleur endroit pour réfléchir. Peut-être. Des Sarlicas, je pense que c'est le meilleur endroit pour pêcher. Eh oui. Luciana, je pense que c'est le meilleur endroit pour commencer à apprendre à conduire un bateau. Eh oui. Mimi, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire une promenade. D'accord. Nesda, j'ai nagé dans cette eau. D'accord. Attention Nesda, j'ai nagé. Ben, c'est composé. Nager, vous allez l'écrire. N-A-G-E. Accent aigu. Yann Arte, je pense que c'est le meilleur endroit pour regarder des films. À l'intérieur, peut-être. Riena, je pense que c'est le meilleur endroit pour passer le week-end. Eh ouais. Yesero, je pense que c'est le meilleur endroit pour regarder votre visage dans l'eau. Ah oui! Comme un miroir. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé des gens qui aiment se regarder dans le miroir. C'est la même chose. Vouslat, je pense que c'est le meilleur endroit pour attraper le Covid-19. Pourquoi? Pourquoi spécialement là? Hilary, je pense que c'est le meilleur endroit pour avoir le mal de mer. Oh, oui, ça c'est terrible. Stardust, donc je pense que c'est le meilleur endroit pour ressembler à une journée froide dans le port. Bah d'accord. Omar, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire un voyage par le fleuve. D'accord. Cosmina, je pense que c'est le meilleur endroit pour te préserver dans le froid pour les 100 prochaines années. Oui, ah, ça a l'air froid, mais je peux vous dire, Cosmina, que j'ai vu beaucoup, beaucoup plus froid. Roman, je pense que c'est le meilleur endroit pour boire un café. Eh ouais, et regardez la vue, ça c'est pas mal, il fait froid, vous avez votre café et vous admirez le paysage. Michael, je pense que c'est le meilleur endroit pour prendre le bateau et partir aller à la pêche. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est le moment, merci beaucoup. Allez, à vos téléphones, comme d'habitude, et j'espère que ça va marcher. J'ai toujours un stress maintenant. C'est la possibilité, bien sûr, de m'envoyer des photos et de partager ces photos avec notre communauté. Vous envoyez les photos avec un petit texte en français, s'il vous plaît, et vous l'envoyez tout simplement à l'adresse vosphotos@fluentoplus.com. Regardez, Denora, je ne sais pas si Denora est encore là. Si, Denora est là. Super, Denora. Denora nous écrit cette chose avec la photo qui va. J'ai pris cette photo bien avant le début de l'épidémie à Lucca, en Italie. C'est de l'art de rue. C'était il y a 2 ans. Alors, c'était intriguant, nous dit Denora. Et bien sûr, elle nous pose une question. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que c'est de l'art de rue. Donc, elle l'a vu. Clic, elle a pris une magnifique photo. Merci beaucoup, Denora, de partager la photo eh bien, avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Qu'est-ce que vous pensez du fait que la photo était prise il y a 2 ans? Vous avez une petite minute pour écrire une phrase. Merci. Alors Julia qui assez court, c'est court, c'est efficace. Trois mots qui vont directement au cœur du sujet. Un uppercut lexical, un bisou stérile. Voilà, c'est comme ça que Julia voit cette photo. Luciana qui dit « L'art a deviné le futur ». Rihanna qui nous dit « Cela ressemble à une peinture ». Pas à une photo. Ben oui, Rihanna, c'est de l'art de rue. Luciana qui regarde et qui dit encore... Ah, moi j'en vois 6. Encore 6 likes et après, je suis un homme heureux. Même avec les problèmes techniques qu'on a eus, franchement, ce serait formidable. Yossi, la photo représente 2 nageurs sous l'eau, peut-être. Ah, c'est intéressant. C'est vrai, Yossi, avec les bulles comme ça, c'est un petit peu mystérieux. Mais regarde, il a une cravate, le monsieur, non ? C'est un petit peu étrange. Alors ensuite, je regarde. Mimi qui nous dit « L'artiste peut voir le futur », c'est étrange. Victoria Thomas qui nous rejoint et qui nous dit « 2 personnes qui s'aiment beaucoup pendant la pandémie ». Eh ouais, Bickert, je pense que cette photo est très intéressante. La photo nous a dit « L'amour continue aussi au fond de l'eau ». Ça, c'est intéressant. Donc, vous pensez aussi qu'ils sont dans l'eau. Yann Arte qui nous dit donc c'est trop triste. Ah, vous pensez ? Andrea qui dit « Je suis sans mots, j'étais sans mots ». Roman qui nous dit « Je ne sais pas, mais peut-être que tu as d'abord pris une photo de lui ». Qu'est-ce que vous voulez dire, Roman ? Là, je n'ai pas compris. Là, je n'ai pas compris. Hilary qui nous dit « J'aime la couleur bleue ». Mais ce n'est pas le meilleur endroit pour s'embrasser. Bah surtout, puis avec une... Il y a une cagoule, c'est mystérieux quand même. Hein. Stardust qui nous dit « La photo représente très bien la pandémie ». Omar qui nous dit « Il y a quelques années, j'avais pensé que c'était une photo de science-fiction et aujourd'hui, c'est la réalité ». C'est vrai que c'est la réalité. Hein. Alors, Dessalika qui nous donne un message d'espoir. L'amour, c'est la vie. Ah, faut le trouver, hein, faut le trouver aussi. Bickert qui nous dit peut-être qu'il se marie sous l'eau. Et alors, attendez une seconde. Julia qui nous dit, je pense au film La forme de l'eau combiné avec une peinture de René Magritte, Businessman. Oh là là. Ah ben, c'est un petit peu plus long. Un petit peu plus long que le bisou stérile. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez faire, eh bien, comme tout le monde, Denora qui l'avait fait, Hilary qui l'avait fait aujourd'hui, envoyer une photo, vous pouvez poser une question, vous pouvez imaginer une petite activité pour tous les autres. C'est assez sympa, c'est vraiment amusant. Donc, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup à Hilary et merci beaucoup à Denora d'avoir partagé ces photos. C'est très gentil.
Alors attention, attention, parce que Cosmina qui nous dit « Je peux exprimer une idée sur la signification de cette peinture. À mon avis, la peinture exprime la quintessence de la relation humaine d'aujourd'hui. » Oui, mais en même temps, c'est un peu triste. Cosmina qui continue, deux personnes qui ne se voient pas, ils ne se connaissent pas, mais ils s'embrassent. Souvenons-nous de cette chanson, Les filles d'aujourd'hui, que j'avais proposée, qui représentait un petit peu ce concept qui n'était pas uniquement pour les filles, mais qui était pour les garçons également. Allez, la dictée du jour, bah comme d'habitude, hein, je vais vous donner quelques phrases et puis j'ai décidé de vous raconter ma vie, de vous raconter ma journée et vous allez voir que c'est pas excitant du tout. Allez, on attaque avec la première phrase. Je vais la lire deux fois. Ice Cube est de retour. Ice Cube, elle a déjà dit bonjour au réfrigérateur, elle est là. Allez, on y va. Ce matin, virgule, en me réveillant, virgule, je me suis senti léger et joyeux. Ce matin, virgule, en me réveillant, virgule, je me suis senti léger et joyeux. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde ce qui commence à arriver. Oui, faites attention, donc ici, bon, ce matin, bien sûr, ne représente pas de grandes difficultés. Ensuite, en me réveillant, souvenez-vous que réveillant, eh bien, on va l'écrire sans S, attention, il y a aussi à la fin, juste A-N-T, d'accord. L'idée de la construction du participe présent, puisque c'est le participe présent réveillant, c'est que vous passez par le « nous » du présent. Hein. « Nous, nous réveillons », vous retirez la terminaison et vous obtenez « réveillant » avec « ant ». Alors là, c'est un verbe régulier, mais bon, ça marche surtout pour les verbes irréguliers du troisième groupe. « Je me suis senti », alors ça c'est donc le verbe « se sentir », on est d'accord, hein. Faites attention, « je me suis senti », en fait à la fin de « senti », on va pas mettre de pluriel, on va juste le mettre à la forme masculine ici parce que c'est moi qui parle, on pourrait le mettre au féminin, tenez, regardez. Si c'était une femme qui parlait, nous sommes d'accord que eh ben, ce serait comme ça. Donc ce serait avec un « e » pour effectivement marquer le féminin. D'accord ? Donc « je me suis senti « i » pour un homme, « je me suis senti « i-e » pour une femme. Léger, alors ici on devrait mettre le féminin après, mais donc c'est pour ça que ici c'est au masculin. Léger, faites attention, c'est ER, hein, on est d'accord. Globalement c'est bien écrit. Attention, Hen 70, c'était léger, le masculin, donc ER, d'accord. Féminin, on le prononce différemment parce que vous le prononcez légère, r. Vous entendez le r, d'accord. Léger. Et joyeux, ici c'est toujours le masculin, J-O-Y-E-U-X, d'accord, c'est bien. Attention, ce matin, virgule, en me réveillant, virgule, je me suis senti, I, léger et joyeux. Si c'était au féminin, pour l'égalité, ce matin, virgule, en me réveillant, virgule, je me suis senti, I-E, légère et
joyeuses. Souvenez-vous, hein, légère et joyeuse, ça ce serait la version, eh bien, au féminin. Mais là, pour l'instant, je parlais de moi, hein, pour changer. Numéro 2, allez, numéro 2, attention, je vais lire deux fois la phrase. J'ai acheté un nouveau frigo car l'autre était vraiment trop vieux. J'ai acheté un nouveau frigo car l'autre était vraiment trop vieux. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, apparemment, oui, tout va bien. Faites attention sur FX, c'était ici « j'ai acheté ». Donc ici, on est sur un passé composé. Roman, c'est la même chose. Attention, c'est un passé composé. Donc l'idée, c'est d'avoir le passé composé du verbe « acheter ». D'accord ? Souvenez-vous, le verbe « acheter » va utiliser l'auxiliaire « avoir ». Donc au présent, « j'ai ». Et ensuite, vous allez mettre votre participe passé acheté, E accent aigu à la fin, un nouveau frigo. Je regarde, nouveau, vous l'avez bien écrit. Frigo, souvenez-vous, c'est du français parler, c'est pour parler d'un réfrigérateur. Un réfrigérateur, on a utilisé l'expression aussi frigidaire, qui est une marque, hein, mais c'est devenu synonyme de réfrigérateur. Et on utilise le mot frigo pour parler de réfrigérateur ou de frigidaire. Car, pas de problème, l'autre était, et donc là on utilise bien sûr l'imparfait, d'accord, vraiment trop vieux, V-I-E-U-X. Je regarde, non c'était globalement bien écrit, donc je dis bravo. Allez, on continue avec la troisième phrase, si ça marche bien, oui. Allez, la troisième phrase. J'ai longuement discuté avec ma mère des actualités françaises. J'ai longuement discuté avec ma mère des actualités françaises. Allez-y. Alors, je regarde ce que vous écrivez, vous voyez à l'écran ma version. Donc ici, j'ai discuté, c'est le verbe discuter. Le verbe discuter au passé composé, donc on utilise avoir. J'ai discuté. Bien sûr, j'avais envie de mettre un petit adverbe. Et l'adverbe, comme vous voyez, on va le mettre juste après le... Eh bien, tout simplement, le verbe avoir ici, j'ai longuement, et on continue, discuté. Avec ma mère, ça c'était pas très difficile, je regarde vos phrases, non c'est bien, vous l'écrivez bien, pas de problème. Des actualités, hein, en général, on le met au pluriel, des actualités, et comme le mot actualité est féminin, l'adjectif doit être au féminin
pluriel, française. Donc française. J'ai longuement discuté avec ma mère des actualités françaises. Alors, Harvey qui dit, j'ai is only I can do for now. And it's okay, Harvey. Try your best. D'accord? You will suffer. This is the way it goes when you learn a language. Don't worry about that. Try your best. Try to listen. It will come. And little by little, you will hear more and more. But you really need to push your limits. And don't worry about this frustration thing is a part of the learning process. So no problem. Merci beaucoup. Allez, on continue avec numéro 4. Vous voyez que ma vie est très passionnante en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Allez, c'est la dernière chose. C'est une phrase très longue. Ice Cubes, il y a beaucoup de couleurs derrière. Oui, hein, Ice Cubes. J'ai installé des lumières pour voir. Je fais des tests pour voir. Attention. Il y a actuellement un mouvement incroyable qui est en train de se dérouler et cela nous a rendus tous les deux heureux. Il y a actuellement un mouvement incroyable qui est en train de se dérouler et cela nous a rendus tous les deux heureux. Écrivez la phrase. Alors, je regarde. Donc, la phrase était longue, mais en même temps, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui sont un petit peu plus difficiles. C'est la dernière. Donc, il y a, là, logiquement, pas de problème. Je regarde, tout est bien. Actuellement, souvenez-vous, c'est un adverbe. Alors, la construction de ces adverbes de manière, c'est l'adjectif masculin actuel, EL. On va mettre au féminin actuel, E, L, L, E. Et après, vous mettez « ment » pour obtenir l'adverbe de manière. Actuellement. Il y a actuellement un mouvement. Alors attention, « mou, mou, mou hein, », en français, c'est vraiment avec un « o, u ».« Mou, mou, mou hein, », mouvement. Incroyable, ça c'est l'adjectif. En général, il n'y a pas de problème. Qui est en train de se dérouler. Dérouler doit être à l'infinitif. Alors attention, Victoria Thomas, juste un L pour dérouler, d'accord, c'est pas très très grave. Hein. Ne vous inquiétez pas, je regarde les autres. Oui, alors attention. Et cela nous a rendu. Souvenez-vous, ça c'est une règle grammaticale. Beaucoup de Français vont faire l'erreur. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais, nous, en fait, c'est le pronom complément d'objet direct. Grammaticalement, il est avant l'auxiliaire avoir. Donc, vous marquez après, sur rendu, le pluriel, parce que c'est nous. Nous a rendu avec un S. Beaucoup de Français font l'erreur, donc ce n'est pas grave. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais normalement, ça doit être là. Tous les deux, heureux. Heureux, souvenez-vous, H-E-U-R-E-U-X. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a actuellement un mouvement incroyable qui est en train de se dérouler, et donc c'est en France, hein, et cela nous a rendu
tous les deux heureux. Regardez les actualités, c'est vraiment incroyable ce qui se passe actuellement en France. Allez, que pense-t-il ? Que pense-t-il ? Et on attaque avec le premier. À votre avis, que pense-t-il ? Une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, c'est Yossi qui attaque et qui nous dit « Ils sont très heureux d'être ensemble. » Très bien écrit, Yossi. Anna qui nous dit « I'm a beginner, I don't understand. » Ah, ok. So, Anna, don't worry about that. So, today, it's only in French. So, that's the reason why it might be a bit too challenging, but it's okay. Tomorrow, it will be in French too, because it will be for advanced. But the day after, it will be in English and in French for the beginners. So, check the channel and then you will see that in 2 days, it will be at the same time and it will be in English and in French. So you might want to join this lesson, Anna. D'accord? Luciana, notre mariage est proche. Rihanna, ils sont heureux ensemble. N70, ils sont heureux et vont passer le reste de leur vie ensemble. Vouslat qui nous dit, ils pensent qu'ils s'aiment l'un l'autre. Ils pensent? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Stardust, ils pensent, aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Sophia X, il dit à son épouse qu'elle est enceinte. Ah, elle a dit, pardon, à son époux qu'elle est enceinte. Omar, il pense que la vie est belle. Victoria, la pandémie est finie et il pense où voyager premièrement. Ah oui, mais tout le monde veut voyager, seul ou à deux. Yesero, ils pensent qu'ils ont la chance d'être tombés amoureux. Victoria, Jacques, deux personnes heureuses parce que j'ai gagné de super vacances. Victoria, Jacques, elle attend. Et quand ce sera possible, pouf, elle prend l'avion et elle part. Ella qui nous dit, ils pensent être très heureux, peut-être. Hillary, ils pensent qu'ils attendent un bébé. Bickert, ils pensent que la vie est belle pour eux toujours. Oh, Luciana, merci. Allez, c'est la danse parce que nous avons passé le cap des 100. Merci Luciana de me prévenir. Hima, ils sont très contents. Ice Cubes, chacun pense à soi-même, ils sont égoïstes. Ice Cubes, qu'est-ce qui se passe alors? Denora, nous sommes les gagnants. Des Sarlika, ils sont très heureux, ils vont se marier peut-être. Julia qui dit, j'entends son gésier. Roman, il pense à leur première rencontre et comment il a essayé d'attirer son attention sur lui. Désiré qui nous rejoint, bonjour Désiré. Cosmina, ils sont heureux tous les deux. L'homme est heureux parce qu'il va partir dans un pays lointain pour travailler et gagner du fric, et la femme est heureuse aussi. Parce qu'il va partir, c'est ça. Eh oui, vive l'amour. Allez, que pense-t-elle? Imaginez une petite phrase, que pense-t-elle? Thank you.
Alors, c'est Luciana qui nous dit, elle pense, regardez-moi. Julien qui nous dit, elle pense à ses prochaines vacances, probablement. Mais où va-t-elle partir, Julien? On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, Ice Cube, ce qui nous dit, elle pense être la deuxième Lara Croft. Ice Cube, est-ce que vous avez joué à Lara Croft peut-être, hein? Yossi qui nous dit, elle pense qu'elle peut faire du sport sans le masque. C'est peut-être possible, mais il faut faire attention. Anne70, elle pense qu'elle est fantastique en posant pour la photo. Bickert, elle pense que je suis très cool comme toujours. Romane, cette fille compare sa vie à ce visage cassé. Hillary, elle pense que c'est parfait pour Instagram. Oui, c'est possible. Iriena, elle pense qu'elle gagnera des likes en posant comme ça. Clic, clic. C'est possible, et probablement plus que 100. Hein. Moi, je me limite à 100, je suis un homme raisonnable. Yesero, elle espère 200. Cette peinture devient... Ah, dans 200 ans, pardon, que cette peinture deviendra célèbre. Denora, je voudrais geler comme toujours comme elle. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais geler comme pour toujours comme elle. Ah d'accord, donc être gelé? Non, Denora, il ne faut pas être gelé. David qui nous dit stop, je ne sais pas pourquoi. Grace, elle veut prendre une photo. Très bien. Ice Cube qui a joué à Lara Croft. J'ai mon ami Laurent qui m'a dit qu'il avait joué dernièrement une dernière version de Lara Croft qui était très 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 violente apparemment. Victoria, elle pense à la beauté naturelle féminine. Cosmina, elle pense que l'art mérite le sacrifice de rester sans vêtements appropriés. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça les artistes. Prêts à tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Julia qui dit, combien Dieu dans la photo? Mais il y en a beaucoup. Hein, comme... Ah oui, mais là, il y en a moins. Oui, mais là, il n'y a pas. Donc, 1, 2, 3, 4. Moi, j'en vois 4. Ah, peut-être derrière, 5, je ne sais pas. Omar, elle pense qu'elle veut être l'actrice d'un film du futur. Dessarlika, elle pense qu'elle est très belle, elle pourrait devenir une modèle. Yann Arte, elle pense que demain, il y a un examen important. Elle révise. Là, elle est en pleine révision, c'est possible. Oups. Allez, c'est le dernier, et bien sûr, pour faire l'égalité, nous avons commencé avec le pluriel. Nous avons ensuite vu cette jeune demoiselle, donc c'était le féminin, et là, c'est un homme. Que pense-t-il? Allez-y. Alors, Dessarlika, ah, donc qui nous donne, hein? Donc, Shadow of the Tomb Raider, c'est le dernier jeu. Et j'ai du mal à me concentrer, désolé. Ah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, c'était l'autre, pardon. Je joue et l'histoire est très intéressante. Oui, mon ami Laurent avait dit que c'était très très bien fait. Alors, probablement pour les gens qui aiment beaucoup aussi le personnage de Lara Croft. Alors, Stardust qui nous dit « Je dois y aller, je suis trop excité pour demain et j'ai du mal à me concentrer. » C'est pas grave, Stardust, au revoir et à demain. Yossi, elle pense comment offrir un cadeau à son ami. Mais c'est un homme, Yossi.
C'est il? Je ne sais pas. Alors c'est bizarre il aussi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Denora, il pense comment commencer le jour. Rihanna qui dit il est triste parce qu'il doit rester chez lui tout seul. Julia qui dit je me suis emballée. Trois petits points. Luciana, je ne supporte plus cette quarantaine. Eh oui, c'est possible. N70, il pense que sa vie est finie. Car il n'a plus d'espoir. Bickert, il pense que je devrais dire la vérité avant 2 jours. Pourquoi 2 jours, Bickert? D'accord. Cosmina, il réfléchit à ce qui concerne le concept de politiquement correct. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, ça c'est une notion intéressante parce que c'est très élastique, c'est très culturel et contextuel. Roman, je peux voir trop la douleur sur son vie. Qu'est-ce que vous voulez dire, Roman? Je ne suis pas sûr que j'ai compris. Yann Arthé, il pense que ses yeux sont malades. Eh oui. Yossi, qui dit au revoir. Ice Cubes, il pense que. Qu'est-ce que j'ai fait pour être seul ici? Eh ben oui. Yesero, malheureusement, il est déprimé à cause de l'épidémie. Et tout le monde est un petit peu déprimé à cause de cette épidémie, hein? Hillary, il a laissé son iPhone dans le train. Ah, c'est très pratique, là. Victoria, il est fatigué. Il a perdu aux jeux vidéo et il souffre à cause d'une rupture. Eh oui. Desarlicar, il a perdu le match de football et il s'inquiète. Et Yossi qui dit effectivement, oui, c'était il et pas elle. Et maintenant, je comprends mieux, Yossi. Merci. Pardon, Omar nous dit, il pense qu'il n'entend pas pourquoi il a accepté de se marier le mois prochain. Peut-être qu'il devrait faire comme vous, Omar. Il part avec une bouteille de vin quelque part et il rencontre d'autres personnes. Allez, je ne pourrais pas vous laisser partir. La conscience tranquille si nous ne faisions pas un exercice sur les nombres, comme vous savez. On va attaquer avec le premier, comme d'habitude maintenant. Le premier, eh bien, juste un chiffre. C'est relativement facile, en tout cas j'espère. Je ne vais le lire qu'une seule fois. D'accord? On va tester. 4. Effectivement, c'était relativement facile. Yossi qui était très enthousiaste, qui a rajouté un 3 après le 4. Que se passe-t-il, Yossi? Juste 4, c'est suffisant. Allez, donc c'était 4, effectivement. On continue avec le deuxième. Et le deuxième, bien évidemment, il y a 2 chiffres. Et je ne vais le lire qu'une seule fois. 91. Regardez, regardez qui est là. Skate Crisis, c'est Laurent. C'est Laurent. C'est Laurent, le spécialiste de Lara Croft, le spécialiste du skateboard et celui qui est prêt à tester les snowboards en Laponie. Un homme incroyable. Laurent, je te fais un gros bisou et on se voit bientôt. Donc le nombre qu'on cherchait, oui, c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne. C'est 91, 91, 9 et 1.
Très bien, je regarde. Pas de problème. Non, globalement, c'était vraiment, vraiment bien. Félicitations. Grace qui nous l'a écrit en toutes lettres. Allez, troisième, le troisième, regardez. Eh bien, il y a trois chiffres. On y va. Une seule lecture. 760. Alors, faites attention, ouais, regardez Roman. Roman, en fait, c'est vrai que c'est très très difficile, mais j'avais vraiment prononcé le 7. Hein. Vous avez entendu 160, c'est très très proche, c'est vrai. Donc ici, c'est 760. Donc globalement, c'était bien. Yulia, bah oui, qui parle de Laponie. Elle ne peut pas parler de Laponie et se concentrer. Hein. On imagine qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc ici, c'était 760-760. Allez, on continue avec le quatrième. Le quatrième, eh bien, quatre chiffres. Et on y va, une seule lecture. Concentrez-vous. 2921. Alors, jusqu'à maintenant, tout est bien. Faites attention, El Ladongo, c'était pas 1921, mais c'était 2000. Hein? Donc, 2921, mais c'est pas très très grave. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour l'instant, tout va bien. 2921. Il est impitoyable. Alors ça c'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Allez, on continue avec le cinquième. Le cinquième, eh ben, comme d'habitude, cinq chiffres, donc ça devient un petit peu plus complexe. Une seule lecture, concentrez-vous bien. 23 091. Alors oui, là c'était un petit peu plus complexe parce que effectivement c'est donc 23 000, bien sûr qu'on ne prononce pas le zéro, hein. Donc c'est 23 091. Globalement c'était bien, il y avait quelques petites erreurs. Cassandra, faites attention, 23 811, hein, c'est ce que vous avez écrit, donc c'est un petit peu différent. Roman, c'était la même erreur, 23 811. Ici, c'était 23 091. 2, 3, 23 000 et ensuite 91. Allez, on continue. 6 chiffres. Et oui, 6 chiffres. N'ayons pas peur et soyons fous. Attention, une seule lecture. 451 067.
D'accord, c'est bien. Là, j'avais envie de reproduire un petit peu ce que nous avions avant, juste pour voir si effectivement vous vous corrigez, si vous avez fait l'erreur. Donc, 451 000, donc ça c'est les trois premiers, et ensuite 67. Là encore, hein, on ne prononce pas le zéro, donc on finit juste avec 67. 451 067, 4, 5, 1, 0, 6, 7. D'accord? Allez, la souffrance est presque terminée. Regardez, numéro 7, eh ben oui, eh bien oui, eh bien oui, on doit terminer avec les millions. On y va, deux lectures. 2 millions 46 823. 2 046 823. Alors je regarde. Donc 2 millions, bah écoutez ça, normalement ça n'est pas problématique. Ensuite, encore une fois, hein, 46 000. Hein, donc on ne prononce pas le zéro. Je ne vais pas dire 0 46 000, mais clairement il y a le zéro. 0 4 6 et finalement 823 8 2 3. 2 millions 46 823. Mais écoutez, bravo, bravo, bravo. Je vous torture, excusez-moi, mais c'est comme ça que ça va. C'est comme ça que ça va rentrer dans votre tête. Alors, si vous êtes arrivé et que vous n'avez pas encore cliqué, n'hésitez pas à cliquer. Je pensais que nous n'allions jamais atteindre les 100 parce que le début, quand même, était un petit peu olé olé. Mais apparemment, essayons de pousser les limites. Alors, Hillary doit nous quitter, elle doit aller travailler. Au revoir, Hillary. On va finir avec cet exercice, hein, l'exercice, parce que j'avais envie de finir ce que j'avais préparé pour vous. Et donc, c'était le verbe du jour. Et souvenez-vous, on a fait de la conjugaison, et dernièrement, on s'est intéressé à la conjugaison au passif et bien sûr à la forme négative. Donc le verbe, eh bien c'est le verbe juger, un verbe régulier, donc ça n'est pas très très compliqué à conjuguer normalement, mais nous sommes d'accord que nous allons systématiquement le conjuguer au passif et à la forme négative. D'accord? Nous allons uniquement nous intéresser à ces temps-là, on va pas tout faire, c'est pas la peine. Et on commence avec le présent. Présent du verbe. Oups, c'est pas invité, excusez-moi. C'est juger. Donc c'est juger. Regardez, je fais la correction. Voilà. Donc présent du verbe juger, indicatif, passif, forme négative. Allez-y. Thank you.
Alors, excusez-moi si j'étais un petit peu absorbé, mais je dois faire les corrections en temps réel pour que le verbe soit bien affiché. Regardez, regardez. Hop là, vous le voyez maintenant, c'est là. Donc, effectivement, au présent, présent de l'indicatif. Donc, le passif, nous sommes d'accord qu'on utilise « être ». On va utiliser « être », donc « être » doit être au présent. Et ensuite, vous mettez votre participe passé « je suis jugé ». Donc ça, c'est notre passif affirmatif. Maintenant, on va le basculer à la forme négative. Souvenez-vous, « ne » et « pas » vont être avant et après notre auxiliaire « être ». « Je » sujet. « Ne » première partie de la négation. Suis pas. Je ne suis pas. Et vous finissez avec juger. Comme vous voyez sur votre écran, puisque nous utilisons être, nous pouvons marquer le féminin avec le E. Je ne suis pas jugé, E accent aigu, c'est pour le masculin. Je ne suis pas jugé, E accent aigu, E, c'est pour le féminin. Allez, j'espère que ça va marcher maintenant. Oui, le futur simple. Le futur simple, s'il vous plaît. Verbe jugé, première personne, futur simple, passif, forme négative. Allez-y. D'accord, donc là c'est clair maintenant, hein, effectivement, comme d'habitude, c'est uniquement, eh bien, l'auxiliaire être qui va être modifié. Donc là on doit mettre être au futur simple, serait S-E-R-A-I. Et donc la forme négative, je ne serai pas. Et on finit encore une fois avec notre participe passé jugé. Masculin ou féminin. S'il vous plaît, attention, premier temps composé, le passé composé. Passé composé du verbe juger, passif, forme négative. Allez-y. Alors là, on est d'accord, hein. Encore une fois, eh bien, c'est tout simplement être que nous devons conjuguer. Et donc, être doit être au passé composé. Souvenez-vous, quand on conjugue être au passé composé, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas été jugé. Donc là, c'est toujours un petit peu plus sportif avec les temps composés. Faites bien attention, je n'ai pas été jugé. Encore une fois, on marque le féminin si c'est nécessaire avec un E. Allez, on continue avec l'imparfait, s'il vous plaît. Alors, Julia qui dit « c'est difficile », ben oui, c'est difficile, malheureusement, c'est toujours, toujours « être » qui doit être conjugué. Ici, « être » devra être conjugué à l'imparfait. Quand vous conjuguez le verbe « être » à l'imparfait, vous allez obtenir « était »,
E accent aigu, T, A, I, S. Vous mettez bien sûr la négation, ne était pas, apostrophe, je n'étais pas, et on finit avec juger. Ça, c'est l'imparfait. Allez, attention, attention. Deuxième temps composé, c'est le plus que parfait, s'il vous plaît. Le verbe juger, au plus que parfait, passif, forme négative. Alors là, oui, encore une fois, le verbe être doit être au plus que parfait. Et donc, vous obtenez avait été, j'avais été. On va mettre la négation. Je n'avais pas été jugé masculin ou féminin. Comme d'habitude. Allez, c'est le sprint final. Vous me détestez, je fais mon travail. Futur antérieur du verbe juger, s'il vous plaît. Alors, Julia qui confirme qu'elle déteste l'exercice. Je m'excuse, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ici, encore une fois, c'est être. Être que nous devons conjuguer au futur antérieur aurait été. C'est ça la forme. Et donc, on va mettre la forme négative. Je n'aurais pas été jugé. C'est comme ça avec le masculin. Comme d'habitude, ou le féminin. Allez, on finit, et après c'est fini, avec le conditionnel présent du verbe juger. Et c'est pas invité, là bien sûr, c'est juger encore une fois. Au passif, s'il vous plaît, à la forme négative, allez-y. Alors, et on finit avec cette forme-là, je ne serai pas jugé. Donc ici, encore une fois, on doit mettre tout simplement être au conditionnel présent. Et la forme du conditionnel présent, c'est serait, S-E-R-A-I-S. Je ne serai pas jugé. C'est la différence entre YouTube et l'université, ou en général, c'est que là, je vois que les personnes s'en vont. Quand on fait de la conjugaison, les gens tic 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 s'en vont du live parce qu'ils ont peur et c'est normal. C'est normal, ça n'est pas très 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 olé olé la conjugaison. Mais c'est comme ça, c'est nécessaire. Et en tout cas, j'espère que vous ne me détestez pas trop pour ça. En tout cas, écoutez, on a réussi. On a réussi à le faire, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Il y a eu des problèmes techniques, mais on a réussi à le faire. J'ai passé vraiment un moment très très sympa avec vous. J'espère
que vous avez appris des choses. Je vous donne rendez-vous, eh bien écoutez, demain. Demain, ce sera à la même heure et ce sera encore une fois en français. Je vous dis merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et à demain si vous voulez. Au revoir. Learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3, subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast, young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.